Hello tout le monde, c'est Chez Chacun. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Désolée pour le son en arrière-plan. Je préviens directement qu'il sera une ouverture de colis. Alors, je peux pas vous montrer voilà, l'autre côté. Mais voilà à quoi ressemble le colis. Du coup, c'est parti. J'ai une paire de ciseaux pour m'armer. J'espère que le contenu sera net. Alors ça y est, j'ai ouvert. Il était vraiment trop bien emballé. Ouais, on voit pas de carton en arrière-plan. C'est parti. On va voir ma réaction en direct. Il a tellement bien emballé. Ça fait plaisir. Il y a marqué « Bonne réception, merci ». Tadam! Alors tadam, comme d'habitude, il n'y a pas assez de lumière, donc je vais éclairer. Du coup, alors voilà la petite mémère. Elle est vraiment trop belle. Je ne m'attendais pas à quel point elle serait magnifique, tout simplement. Je vais vous la présenter, je vais essayer de la présenter correctement, qu'on voit bien. Alors, hop. Normalement, la mise au point devrait se faire automatiquement. Voilà, je sais pas si vous verrez bien. Alors voilà la tête des deux côtés. Je savais que les yeux étaient comme ça, mais quand on a commandé la jument, on savait pas si du coup cette jument allait atterrir en bon état. Elle est un petit peu pétée du coup de ce côté. Et un petit peu ici et ici, ça se voit que c'est une mise d'occasion. Et du coup, j'ai décidé de l'appeler Mala, en look pour les gens qui connaissent les chaînes du monde équestre. Et bien, vous savez qui c'est. Je vais pas expliquer vraiment. Donc, hop. Elle a des petits nœuds. Est-ce que la mise au point est en train de se faire? Ouais, génial. En fait, je vais vous expliquer ce que c'est une revue pour moi. Est-ce que c'est une ouverture de colis? L'ouverture du colis, c'est bien évidemment quand on ouvre un colis. Et la revue, c'est quand j'ai déjà ouvert le colis mais que j'ai pas pu vous filmer. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve à plus dans une prochaine vidéo. Bye!